Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous à nos lecteurs. Monsieur Diallo Alphaï Siaga. Monsieur Saga, l'incendie là vient de se produire. Expliquez-nous comment est-ce que ça s'est arrivé. Bon, pour le peu que je connais, parce que là j'étais à l'école, je suis enseignant. Ma femme m'a appelé comme quoi la maison du voisin a pris du feu. Je n'ai pas demandé des explications sur place. J'ai daigné venir vérifier ou encore observer les dégâts. Quand je suis venu, j'ai vu et puis je l'ai demandé. Elle m'a dit que le feu a débuté au niveau de l'appartement du boss. Monsieur Sangaré, c'est le propriétaire de la maison. Mm-hmm. Parce que la dalle là, occupe trois pièces. Chaque chambre a sa terrasse et la douche. Donc le feu a commencé à son niveau dans sa chambre, mm-hmm. au niveau de sa terrasse. Oui. Donc quand elle a constaté les premières flammes, alors elle est venue alerter les voisins, mais la cour était fermée. Mm-hmm. Et c'est quand elle a haussé le ton qu'on a daigné ouvert la porte. Mm-hmm. Ainsi, elle a dit qu'il y a du feu. Le temps pourrait de venir remonter à l'étage pour voir la lire ou encore comment la chose a débuté, mm-hmm. comment on peut prier, maîtriser le feu. C'est ainsi, à mon arrivée, il y a un voisin aussi qui est gendarme. Je l'ai appelé pour l'expliquer, il m'a passé le numéro de police. Mm-hmm. J'ai appelé, mais c'est là le problème. Parce que bien avant moi, mon arrivée, oui. il y avait plein de gens qui étaient là en train de venir au secours. Et quand je suis venu, j'ai appelé et j'ai donné des explications. On m'a nourri de l'espoir comme quoi ils viennent, mm-hmm. comme quoi on leur avait déjà même appelé. Mmh. Mais j'ai persisté encore d'appel en appel. Mmh. Je me suis dit, comme ça retardait et le feu me promet que prendre de l'ampleur, mmh. d'aller voir. Donc j'ai pris un motard pour m'envoyer à la tannerie. Mmh. Comme c'est presque là qui est plus proche, parce mmh. qu'à défaut d'aller à la tannerie, il fallait partir à Nongo. Mmh. Mais j'ai dit de partir directement à la tannerie, parce que c'est son numéro qu'on m'avait communiqué. Mmh. Une fois sur place, je constate qu'il y avait des agents qui étaient là, mais deux camions qui étaient stationnés. J'ai aussi le temps sur eux, comme quoi on a appelé, on nous a dit que c'est la base. Alors vous avez dépêché qui? Parce que de la maison jusqu'ici, je n'ai pas constaté. Ou encore, je n'ai pas vu votre voiture qui est en cours de route. Donc quand j'ai haussé le temps, on m'a mis en contact avec un autre agent. Comme quoi, ils étaient partis intervenir, je ne sais pas si c'est vers les Wanindara, que c'est de là qu'ils devaient bouger pour venir. Donc j'ai insisté à ce que le camion qui était sur place bouge, en attendant que l'autre arrive pour qu'il s'entraide, parce que le feu qui était là avait pris de l'ampleur. Donc, avec les précipitations, mm-hmm, c'était dans les préparatifs. Moi, j'ai besoin encore pour rebousser chemin. Mm-hmm. Je suis revenu. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'il vienne. Et qu'est-ce que rien n'est sorti dans la maison, tout est... À vrai dire, comme vous le constatez, ici, c'est une maison qui est construite, qui a deux dalles. Au ouais. niveau de la première dalle, mm-hmm. on a pu faire sortir des objets. Rien n'a été brûlé en bas, ouais. rien n'a brûlé en bas, ouais. mais ici, là, comme vous le constatez... Deuxième dalle, tout est parti en fumée. Le propriétaire, il n'est pas là. Ouais, parce que c'est pas facile. Ouais. Il est chez les voisins. Ouais. C'est que quand même, il a perdu, mais je ne peux pas estimer parce que je ne vis pas ici. Parce que... Le feu s'est déclaré, s'est déclenché à quelle heure? C'est ce qu'on m'a dit à 14h30, quand je l'avais tant dit, moi j'étais à l'école. Okay. Ouais. Ouais. Donc c'est les voisins qui ont aidé à éteindre le feu. Oui, c'est les voisins d'abord, bien avant l'arrivée des pompiers. C'est là en retard, okay. comme toujours, comme d'habitude. Okay. Merci. Merci. Il faut remercier les jeunes du quartier. Oui, oui, c'est un peu. Le grand âgé, je suis un peu. Oui, oui, vous remerciez. Je n'allais pas finir l'intervention là sans pour autant remercier les jeunes du quartier qui n'ont ménagé aucun effort pour baisser les flammes, mais ce n'est pas ma spécialité. Le peu qu'on peut faire, c'est qu'on a pu apporter de l'eau et j'étais sur les lignes grâce à l'arrivée des pompiers.
ont fait le nécessaire, c'est fait qu'on a pu maîtriser les femmes. Nous remercions humblement, humblement. Parce que par la grâce de Dieu, il n'y a pas eu de perte en visine. Je crois que c'est le plus important. Le propriétaire s'appelle Ibrahim Khalil. Sangarité, il est fonctionnaire de l'État. Merci. Il faut qu'on termine le reste. Voilà, oh, il y a les gens. Ouais. Appelle les gens. Voilà, tu as plumé ici là. Attendez. Vous, vous êtes là, vous habitez ici? Oui, c'est mon nom. L'incendie a tout ravagé au niveau de cette maison. C'est un incendie qui s'est déclaré aux environs de 14h. 14h15. 14h15. On t'est mis sur fini. La presse aussi. Ça va tout bien ici.